La parole est à monsieur Alain Touré. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre des Affaires européennes, l'Union européenne vient de décider hier d'ouvrir un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion avec la Turquie après 3 ans de paralysie. Rappelons que la Turquie a officiellement déposé sa candidature en 1999, mais que le processus de négociation s'est avéré long, tant les réticences à Londres, à Berlin et à Paris étaient fortes. Comment serait-il autrement alors que la Turquie quitte progressivement la laïcité? Mais n'est-ce pas le processus d'élargissement lui-même qui a trouvé ses limites? Et ce, en dépit des efforts de la Commission, qui a recommandé que l'on accorde le statut de pays candidat pour la 2e fois à l'Albanie et pour la 5e fois à la Macédoine, mais en vain. En réalité, depuis l'adhésion de la Croatie en 2013, c'est la volonté politique qui manque aux États membres. Chacun a en effet en tête le succès très relatif de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. L'exemple de l'Ukraine est également significatif. Elle a déclaré sa candidature en 2005, soutenue par le commissaire européen à l'élargissement, M. Olli Rehn. En théorie, l'Ukraine n'a que peu des perspectives d'adhésion. C'est un pays voisin qui bénéficie cependant de l'appui déterminé de la Pologne et de son président, M. Kwasniewski. Que constate-t-on en France ? Les Français, comme nombre d'Européens, n'ont plus la foi des conquérants. Ils en viennent à douter de leur modèle économique, ils en viennent à douter de leur modèle démocratique. N'est-il pas plus important, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, de renforcer la cohésion des États membres, et en premier lieu la cohésion des États qui ont adopté l'euro, leur monnaie commune, que de prévoir ou envisager un nouvel élargissement qui risque de n'être qu'un miroir aux alouettes pour les États candidats à l'adhésion ? Monsieur le ministre, l'approfondissement des structures européennes ne vaut-il pas mieux que dans l'actuelle décennie que l'élargissement qui risque de n'être qu'un enlisement ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, monsieur le député, vous posez la question en quelque sorte du rythme de l'élargissement de l'Union européenne à des pays qui effectivement frappent à la porte. Je veux vous dire que dans un papier signé du 30 mai dernier entre François Hollande et Angela Merkel, nous avons souhaité effectivement préalablement un approfondissement des politiques de l'Union économique et monétaire au sein de la zone économique. Donc je réponds favorablement évidemment à votre attente sur cette question-là. S'agissant de l'élargissement, effectivement hier, à l'unanimité des 28 membres de l'Union européenne, a été décidé d'ouvrir les négociations au préalable un jour à l'adhésion de la Turquie, tout particulièrement sur le chapitre 22 des politiques régionales. Mais entre le début des négociations, qui commenceront le 5 novembre prochain, et l'adhésion réelle, il se passera plusieurs années, le dernier pays ayant intégré l'Union européenne, la Croatie, ayant mis 8 ans de négociations à partir du moment où elle a commencé à négocier. Ce que je souhaite vous dire, monsieur le député, c'est que à Vilnius, le 28 et 29 novembre prochain, sera posée la question des accords d'association avec d'autres pays. Vous avez cité l'Ukraine. Ce que je peux vous dire, c'est que tout accord d'association nouveau sera conditionné à des réformes structurelles dans ces pays en matière de réformes économiques, mais également en matière de réformes de droit, de justice. Ce sont aujourd'hui des préalables incontournables. Nous l'avons dit aux pays qui frappent à la porte de l'Union européenne, et il n'y aura pas à Vilnius d'ouverture à de nouvelles adhésions. La parole est